9h57, c'est parti pour un run. Salut tout le monde, on est dans cet endroit un peu stylé qu'avait trouvé François et tout, et on voulait se faire un petit entraînement là ce dimanche matin. François Ducourant, un pote depuis maintenant un an et demi, on a fait notre formation kinésport ensemble. Tiens, dis-nous un petit peu ce que t'es kiné du sport aussi, qu'est-ce que tu fais, et là d'ailleurs pourquoi t'es sur Paris? Alors du coup, moi je suis donc kiné du sport donc en même temps que Pierre. Du coup, dans mon parcours pro, j'ai d'abord travaillé en libéral, ensuite j'ai intégré le centre de formation de l'ESTAC, donc de Troyes. Donc un peu le même travail que Pierre au Paris FC, mais donc cette fois-ci donc à l'ESTAC, avec quelques interventions chez les pros de temps en temps quand il fallait donner un coup de main. Et François, à côté de ça aussi, il a beaucoup voyagé, notamment aux Philippines. Moi j'avais vraiment kiffé son voyage, c'était d'ailleurs là où on a commencé à un peu devenir amis. Voilà, tes photos elles étaient vraiment trop chouettes aussi, t'as voyagé aussi dans des endroits que je connaissais pas du tout aux Philippines. Il y a tellement d'îles à voir, tellement de choses à voir là-bas, des paysages assez dingues au niveau plongée, c'est des paysages, c'est assez dingue, la richesse au niveau de la biodiversité, c'est aussi c'est génial. Je trouve que c'est un pays tellement sous-côté, on parle beaucoup de la Thaïlande et tout, les Philippines je trouve que c'est beaucoup plus cool. Mais bon bref, on n'est pas là pour parler voyage, on est là pour parler un petit peu entraînement. On n'a pas parlé de ça, donne-moi un peu tes temps là, parce que t'es coureur de 800. Ouais, demi-fond. Voilà. Spécialisé sur le 800 mètres, hein, donc sur la piste, en demi-fond essentiellement. Après, j'ai eu l'occasion un petit peu pour me faire plaisir de faire des 5 km, des 10 km, un semi et un marathon aussi. Donc toi, sur 800 mètres, donc ma spécialité, donc 1 minute 52. J'ai été dans le top 30 français, on va dire, au mieux. 5, on va commencer, donc 16 minutes 05. Sur 10, 34 04. Et sur semi-marathon, mon record est à 1h16. Pour vous donner une idée, 10 km, je m'approche des 45 minutes, je suis à 47 peut-être là, semi-marathon en 1h45, voilà, on en est loin. J'imagine que c'est avec du travail, de la rigueur que t'es arrivé là et tout, mais bon, c'est pour vous dire un peu le gap qu'il y a entre nous deux. Et d'ailleurs aujourd'hui, il va me proposer une séance, on va se faire une séance, on va faire un warm-up, et on part sur quoi là aujourd'hui? On va partir sur une petite séance cool, 5 x 500. Récup 2, je pense, on va essayer de jauger par rapport aux allures de Pierre. Ok, bon, Ikaï, on y va, c'est parti. Warm-up fini, allez, première série. Premier 500 mètres, voilà, il fait un peu froid, on le sent dans la gorge, il en reste 4, voilà, tranquille, c'est parti. Ok, 4, il en reste plus qu'une. Putain, ça pique là, ça devient dur là dans les jambes là, c'est cool. Putain, le spot est ouf. Mec, je suis mort. Putain. Oh gros, je suis chuté mec, putain. Allez grand. Oh putain, ça va bien. Voilà, séance finie. Ici, sur piste. Putain, ça fait longtemps une séance piste, c'est cool. C'est pas un vrai 400 mètres. Une piste de 350 mètres à peu près. Donc on a ajusté pour arriver plus poil à 500 mètres. 3,20 au mieux sur les derniers. Et sinon on est parti prudemment, 3,45 comme c'était convenu. Donc très belle séance de Pierre, ça fait plaisir. Et je lui dis vas-y, ouais, on se met à 4 au kilomètre là pour le fractionner. Putain, je pensais pas descendre en dessous, c'était cool. Mais putain, ça fait mal. Ça fait combien? 14. Combien? 14. Putain. Putain. Fin de séance, au pied de la Dame de Fer, c'était vraiment trop cool. Je suis cassé là, c'est une bonne phase de récupération. D'ailleurs, qu'est-ce que tu conseilles à ce niveau-là, François? Alors, en fin de séance, ce que je recommande déjà, c'est forcément un footing de retour au calme. Ça, c'est ultra important. Passage.
que ce soit après un fractionné ou une séance sur piste ou une séance de vitesse, ou même après une séance de muscu, c'est important d'aller faire un petit peu une petite phase aérobie pour améliorer la récupération. Et ensuite, primordial, hein, l'alimentation. Donc soit via une supplémentation comme on peut trouver dans les commerces, en shaker ou barre énergétique, ou simplement dans l'alimentation, donc un apport en protéines, super important. En glucides lents, soigner son hydratation, il faut absolument se réhydrater après un effort, surtout les efforts longs quand il fait chaud. Mais même l'hiver, on a tendance à moins boire et pourtant il faut vraiment faire attention à ça. Primordial, ok. Putain mec, il y a un drone là-bas. Hein? Zéro mec, où ça? Oh putain gros! C'est un Aspire, ça c'est les gros, ça mec c'est pour la télé ça. Pour tous ceux qui se demandaient là, est-ce que c'est autorisé de voler la tour Eiffel, enfin faire voler le drone à côté de la tour Eiffel, regarde ça. Regarde ça mec. Hop, retour au bercail. Super entraînement avec François, vraiment c'était trop cool, putain merci à toi mec. Et de se retrouver sur cette piste avec un super arrière-plan. Voilà, repos pour ce dimanche, montage de ce vlog, reprise de la dernière semaine avec le PFC lundi. Et on va peut-être se retrouver aussi dans le bureau, histoire de discuter un petit peu et de vous parler de la suite un petit peu de la chaîne et des prochains projets, c'est parti. Maintenant, elle vient de me dire, bah tu me filmes pas moi? Tu veux être dans le vlog? Alors en fait les gars, je vous l'ai pas dit mais je vis avec trois filles. Hey. Je vis avec trois filles ici sur Paris. La seule avec qui il passe. T'as dit quoi? La seule avec qui il passe, c'est elle qui en a. Ah oui, ouais, c'est vrai, ouais. Elle, c'est pas une coloc. Alors si vous voulez suivre maintenant sur Instagram, parce que vous la voyez que de dos, mais vous la verrez que de dos sur Instagram aussi, c'est @ Manon Perez. C'était chouette ce dimanche, vraiment j'ai kiffé. Petit vlog, ça fait plaisir parce que ça fait un mois et demi que je vous avais dit depuis ma venue ici sur Paris que je me remettrais à faire des vlogs et que j'en ferais souvent. Ça n'a pas du tout été le cas, donc voilà, je savais que ça allait être un peu une promesse que je n'allais pas forcément tenir, mais en tout cas, ça me motive pour en faire une aujourd'hui. Donc quelques petites nouvelles avant les dernières vidéos de l'année. Vous savez que comme à mon habitude, chaque année je fais un bilan. Il y a eu le bilan 2017, le bilan 2018. Il y a le bilan de 2019 qui ont été des trois vidéos très très différentes, je vous invite à aller les voir un petit peu. Et je vais refaire encore ce concept là pour 2020, je pense que j'ai envie de faire vraiment un truc un peu original et je pense que j'aurai l'occasion. Pourquoi? Parce que vendredi prochain, le vendredi 18, nous partons avec trois autres créateurs, donc j'imagine que certains ont déjà deviné avec qui je partais, pour un petit road trip, même un gros road trip d'ailleurs, avec une monture un peu spéciale, avec un équipement un peu spécial, enfin bref, je peux pas vous en parler parce que les autres l'ont pas encore fait, je peux vraiment pas vous dire de quoi il est question. Mais on part pour un autre pays qui n'est pas la France, on part pour une semaine, on revient pour les fêtes, et après les fêtes, je pars aussi pour une autre destination, et ça j'ai le droit de vous en parler, je pars pour la Suisse. Et en Suisse, je vais réaliser, je pense, une ou deux vidéos. Putain, finalement, l'année 2020, elle n'a pas été pauvre en voyage. Et on a finalement réussi quand même à voyager. Vous avez vu aussi un peu où je vivais. Donc voilà, c'est très différent du studio où vous avez l'habitude de me voir à Amiens. Et je m'y sens très bien, c'est très très cool. Et en ce moment, au Paris FC, il se passe plein de trucs. Le club prend vraiment une tournure professionnelle, en tout cas au centre de formation. C'est incroyable comment ça évolue vite là-bas. J'arrive au bon moment. C'est vraiment une opportunité de dingue en fait d'être là-bas. Et j'en ai pas encore parlé assez en vidéo. Mais ce qui se passe dans ma carrière professionnelle, actuellement en kinésport, c'est... J'aurais jamais pu rêver mieux. C'est super chouette de fonctionner aussi avec ces personnes-là et je suis très content d'être là-bas et enfin je trouve ma place, donc vraiment c'est trop cool. On fera une vidéo récap un petit peu sur le parcours parce que je comprends que ça soit un peu le bordel. Il y a eu les voyages depuis 2017, après il y a eu cette partie un peu pro, il y a eu voilà, le Dakar avec Axel et les trucs et tout ça. Et donc quand tu prends une vidéo, j'imagine en cours de route, tu dois pas trop comprendre où il est le bonhomme. Donc je pense que je ferai une vidéo à ce sujet et on aura l'occasion d'en reparler. J'ai trop hâte de vous emmener pour cette nouvelle aventure la semaine prochaine avec les trois copains là. Le Instagram s'affiche juste ici et vous pourrez voir un petit peu ce qu'on fait comme bêtises et comme création de contenu aussi là-bas, ça va être mortel. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se voit pour la prochaine. Ciao.